Da parte mia un benvenuto a tutti voi a questa nostra sessione di oggi. Io sono Marilde Iannotta e mi occupo della comunicazione per Voices of Faith e oggi modererò questo evento online. Aujourd'hui, je vais modérer cet événement en ligne, comme déjà affirmé par Susanna. De votre écran, il est possible de changer de canal pour sélectionner la traduction dans d'autres quatre langues, à part l'italien, français, anglais, allemand, espagnol. Je vous conseille de garder votre écran en vision speaker, orateur, et non pas vue d'ensemble pour voir la personne qui parle. En nous vous demandant gentiment de couper vos micros et on va vous donner la parole à la fin des interventions pour des questions et des remarques que vous souhaitez exprimer. En ces 16 journées d'activisme contre la violence de genre, en tant que Voices of Faith, nous avons fait face à différents thèmes qui abordaient la violence spirituelle, la violence physique, l'abus de pouvoir, la culture du silence. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un autre thème principal qui concerne l'asservissement et la ségrégation dans la vie religieuse au sein de l'Église catholique. C'est une ségrégation raciale. Aujourd'hui, on veut voir à quel point on en est en tant qu'histoire catholique pour ce qui est justement de l'asservissement et ségrégation de la vie religieuse des femmes. Bien sûr, l'avenir de la vie religieuse signifie un véritable travail sur le racisme et une attention à la formation et à la vocation dans ce sens, dans ce domaine. La question que nous souhaitons poser aujourd'hui, est-ce que on est vraiment allé au-delà de cette discrimination au sein de l'Église catholique? Ou est-ce que l'histoire nous a appris quelque chose, mais aujourd'hui on continue à faire des discriminations vis-à-vis d'autres personnes concernant différents facteurs? Pour cela faire, nous avons demandé de l'aide à certaines des voix les plus importantes dans ce domaine. Pour cette raison, je vais vous présenter notre première relatrice. Sœur Hazel Lima, actuellement engagée dans l'éducation sociale auprès du Collège de travaux sociaux à Mumbai. Elle a pris part à différents événements au niveau international et national sur la situation des femmes dans la promotion de leur épanouissement, de leur autonomisation. Elle a une expérience importante pour travailler avec les femmes dans différentes organisations, notamment dans les zones les plus urbaines du pays. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle va nous parler de l'Église, non seulement en tant que hiérarchie. In the year 1999, at the general En chapter, 1999, lors du chapitre général de notre congrégation, j'étais présente en tant que provinciale pour l'Inde. Nous devions à l'époque élire notre mère supérieure générale lors de ces moments particuliers. Les jours avant les élections, j'ai su que mon nom était aussi présent dans la liste des candidats. Vu la situation, je restais en dehors des bruits, des pourparlers. Et je me suis consacrée à la verdure d'un parc près de chez moi, près de chez nous. Lors des élections, j'ai découvert d'être élue comme mère générale de notre congrégation. Et à l'époque, j'ai su qu'il y avait des mouvements pour bloquer mon élection en tant que mère générale, mère supérieure générale. J'étais indienne, je le suis toujours, et je viens donc d'Asie. Je suis asiatique. Et jusqu'à ce moment, il n'y avait eu que des mères supérieures européennes.
Cela, pour moi, représentait un défi, tout comme une opportunité pour travailler tout ensemble avec une organisation internationale afin que l'on fasse le mieux pour nos religieuses dans le monde entier. Bien sûr, nous avions des éléments négatifs au sein de la congrégation qui avaient été critiqués par notre gouvernement, mais au sein de l'organisation internationale, bien sûr, on peut s'y attendre. À un certain moment, à la fin de mon premier mandat, j'ai reçu un appel de la part du Vatican où il me demandait de rester prête pour recevoir un document très important par fax qui était destiné à la mère supérieure générale. Je le recevais, je le lisais. Donc, j'ai su à ce moment-là que la congrégation de la vie consacrée était inquiète face à certains événements qui se vérifiaient dans ma congrégation dans le centre-ville de Paris. Et un visiteur apostolique avait été nommé pour inquiéter au sein de du gouvernement, de la congrégation même. La mère supérieure générale devait donc faire référence, référer certaines matières à cette personne. Ces dépenses de voyage international auraient été gérées par la congrégation même. À ce moment-là, notre congrégation était présente en 30 pays du monde. Et il n'y avait pas eu de raison spécifique pour entreprendre cette action, qui eut des conséquences énormes sur notre congrégation. Je restais choquée et étonnée de voir cette décision si stricte. J'étais paralysée, mais je ne perdais pas de temps. Je me suis consultée avec un canoniste spécialisé qui me conseilla de rencontrer un expert et prendre rendez-vous avec le dicastère au sein du Vatican. Je frissonnais en pensant à la possibilité d'avoir cette rencontre car je n'avais jamais eu affaire à la hiérarchie du Vatican avant ce moment-là. Et donc, je n'arrivais pas à comprendre où était la faute. Et donc, mais je me dis à l'époque que c'était une occasion pour nous améliorer, pour faire mieux. Et qu'au fil du temps, j'aurais été ravie d'avoir ce rendez-vous. Je n'étais pas convaincue. Et donc, à cette rencontre, on décida que comme il y avait un problème au sein d'un institut d'éducation dans une zone de la ville de Paris, alors le visiteur apostolique aurait limité sa visite au département de la France et cela n'aurait pas touché les autres départements du reste du monde. Après cette rencontre, j'ai attendu 2 jours, mais je n'ai jamais reçu d'actes ou de minutes par rapport à ce qu'on avait dit lors de cette rencontre. Je parle à nouveau avec le canoniste. Il me dit d'écrire le document et ce rapport et de le redresser aussi à l'expert. Si à l'avenir, on aurait dû faire référence à ces documents, cela aurait été important d'avoir accès à des documents écrits. Par la suite, j'ai découvert que le visiteur apostolique était venu en Italie aussi, en Belgique, en Allemagne, pour essayer de trouver et de repérer des informations qui pouvaient être utilisées contre le gouvernement de ma congrégation et pour préparer au mieux son rôle en tant que visiteur apostolique nommé par le Vatican. Il pensait être dans l'obligation de visiter ces pays malgré la décision qui avait été prise avec le préfet. Donc, j'ai appelé tout de suite le préfet depuis Paris et je lui ai rappelé la décision qui avait été prise. Lorsqu'il m'a écouté, il ne semblait pas prêter attention à moi, mais il me demanda d'informer le visiteur apostolique lorsque ce n'était pas ma tâche, c'était sa responsabilité. Cette lutte intestine entre la curée romaine et les supérieurs hiérarchiques continue avec des grandes tensions. À chaque fois, je sentais le besoin d'être si attente à ce que je disais, à qui je le disais et la façon dont je le disais. Des religieuses que je connaissais très bien depuis novice, qui étaient fidèles à la congrégation, m'ont dit que le visiteur apostolique avait fait des remarques en disant « Mais cette Indienne arrivée en France, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre ?»
Et donc, au fait, il souhaitait examiner les finances de la congrégation afin qu'une Indienne ne puisse pas exploiter ses finances ou encore envoyer des financements illicites aux provinces indiennes. En reléguant les religieuses au sein dans un sari. Mais après l'analyse, il a découvert que tout était dans l'ordre et donc il était temps d'un nouveau chapitre. À ce point-là, pour le nouveau chapitre, il fallait envoyer une autre convocation. Et bien sûr, le visiteur apostolique pensait envoyer cette lettre de convocation. Mais moi, je ne pouvais pas lui permettre de faire ce qui était au fait de ma responsabilité. Et donc, c'était moi envoyer la lettre. Le nonce et les visiteurs apostoliques ont insisté pour être présents aux sessions d'élection de la mère supérieure générale. Ce n'était pas correct, ce n'était pas juste pour eux d'être présents à ce chapitre pour les élections. Et à un certain moment avant qu'ils puissent remplir les fiches d'élection de vote, le nonce se mit debout et parla of the sacred congregation had said d'être en mesure de faire un discernement avant les élections, car le préfet avait affirmé qu'il faut choisir le supérieur sur la base des besoins dans le temps. Et donc, les élections ont continué, les votes ont été comptés, et moi, j'ai été élu pour un autre mandat. Le préfet, il savait très bien qu'il ne pouvait pas s'opposer à la volonté du chapitre, et donc, j'ai pu prendre le gouvernement de la congrégation et le visiteur apostolique avait terminé son travail. Quelques mois plus tard, un commissaire fut nommé pour la province qui avait des problèmes. Quelques mois plus tard, le commissaire lança une recommandation afin que la congrégation reçoive la permission de reprendre son fonctionnement au quotidien sans d'ingérence de la part de Rome. Cela m'a permis de faire face à mon stress, car on avait toute confiance dans nos actions en tant que conseil général. Nous avons reçu aussi le soutien d'un canoniste qui nous a guidés de la bonne façon, mais aussi l'aide d'un cardinal indien qui, à ce moment-là, avait été assigné à un rôle important au sein du Vatican. En troisième lieu, dirais-je, j'étais aidée par la confiance absolue que j'avais dans un Dieu de vérité et de savoir. Merci à Sœur Hazel Lima pour ce témoignage si important et si puissant, pour cet épisode personnel en tant que mère supérieure générale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Sœur Hazel est ici avec nous aujourd'hui et donc vous aurez la possibilité de lui écrire des questions dans le chat à adresser à elle. Maintenant, nous allons continuer. Je souhaite introduire notre prochaine oratrice qui est avec nous aujourd'hui, Madame Shannon De Williams. Madame Williams est professeure associée d'histoire à l'Université de Dayton. C'est une experte de l'histoire afro-américaine. Elle est spécialisée dans l'histoire des femmes des religions et surtout du mouvement pour la liberté des femmes noires et des noirs en général. Elle est auteure d'un livre qui va sortir en mai 2022, mais qui est possible de commander sur différentes plateformes du titre Suburbs Habitat, Black Catholic Nuns in a Long African-American Freedom Struggle. Aujourd'hui, elle est ici pour nous présenter ce livre. Et donc, je vais lui passer la parole. Madame Williams, à vous la parole. Thank you very much for that introduction. Merci. Merci pour cette présentation. Merci pour être ici aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Sur la base de où vous êtes, je m'appelle Shannon Williams. Je suis professeure agrégée d'histoire de l'Université de Eugene. Et je fais partie du conseil exécutif de l'Université catholique. Je suis autrice aussi de différents livres et le dernier
Subversive Habits. Mon livre fournit la première histoire complète de religieuse catholique noire aux États-Unis, tout en passant aussi par la leadership et les problèmes liés au racisme dans la société. L'un des centres de mon livre est le fait que la présence de sœurs noires dans le continent américain a été un des facteurs qui a permis la libération dans le problème racial aux États-Unis. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en sorte que moi, je dois vous raconter comment nous avons été en mesure de vous raconter comment on a défini l'histoire aux États-Unis et l'histoire du travail des femmes et la lutte contre les racismes aux États-Unis. Quand nous avons commencé la recherche pour rédiger mon livre, j'ai pensé de me concentrer sur une histoire nouvelle, révolutionnaire, avec un travail qui a débuté en 2007. Et à ce moment-là, j'étais en train de travailler avec d'autres journaux et j'étais en train de chercher des nouvelles informations sur l'histoire des États-Unis. Et au final, j'ai été en mesure de trouver un article daté 1968 qui racontait la formation de sœurs noires dans les instituts religieux. Cela nous a permis de continuer un travail très intéressant. Je me suis focalisée sur le rôle de sœurs noires dans cette lutte parce que je pensais qui était très intéressant parce que personne n'avait vu une sœur noire jusqu'à ce moment-là. Et la sœur était sœur Mary, le personnage interprété dans le film Sister Act. J'étais vraiment touchée parce que je ne le savais pas, même ma mère qui avait fréquenté une école catholique n'avait jamais été en mesure de rencontrer deux sœurs noires. Les sœurs noires étaient diplômées dans l'église, dans l'école américaine. Ici, vous pouvez voir ma mère. Juste deux sœurs blanches pouvaient enseigner dans les écoles, assurer des cours dans les écoles. Mais j'aurais aimé savoir connaître tous les efforts de sœurs noires pour pouvoir travailler dans les instituts scolaires. Et pour cette raison-ci, j'aurais voulu comprendre les racines de leur invisibilité dans la société. Pour cette raison-ci, je voulais continuer sur cette recherche, surtout dans les communautés noires. Par exemple, en Géorgie, j'ai découvert beaucoup de documents intéressants. Et avant ça, il n'y avait que des préjugés contre ces femmes membres de groupes religieux féminins. Avait toutefois jeté les bases d'un mouvement catholique féminin noir. Et dans cette façon-ci, elles ont été en mesure de battre contre, de se battre contre la discrimination. Toutefois, les sœurs blanches et le prêtre, par exemple, en Georgia, ils ne permettaient pas aux sœurs noires de travailler avec eux. Et selon ma mère, une structure plus grande n'enseignait rien à propos de l'histoire de sœurs noires, et cela était extrêmement grave parce que cela ne permettait pas d'avoir une vision plus grande. Et au final, j'ai commencé à comprendre pourquoi les femmes américaines, l'histoire de femmes américaines n'aime
jamais racontée. Il ne s'agit pas d'une histoire simple, pas seulement parce qu'elle est enracinée dans le dilemme américain, mais parce que le rôle de femme dans un groupe opprimé est délicat et stratégique. Quand j'ai commencé à travailler, Dr. Copeland était une professeure connue à l'université et elle s'était dédiée à la vie religieuse en 1960-70. Copeland, qui a été la première sœur afro-américaine dans sa congrégation, avait été l'un des leaders la plus importante dans le secteur américain. Elle a travaillé dans beaucoup d'organisations et pour éviter la marginalisation de femmes noires. Et elle s'est dédiée aussi à la rédaction de beaucoup d'articles. Et au début des années 2000, beaucoup de documents ont été dédiés à elle. Donc, j'étais très intéressée à son travail, à ses mots, parce que mon but était de raconter une histoire. Elle, une autre sœur qui a partagé avec moi son expérience, a été Sir Martin de Porres Gray, qui en 1968, elle a organisé la National Black Sister Conference, qui a décrit avec profondité la lutte entre femmes et hommes et entre les différentes générations. Elle a été l'organisatrice de beaucoup de rencontres et une leader très connue. Elle a été en mesure de diffuser la voix à la population noire. Tout au long de rencontres, elle répétait plus fois de ne pas vouloir être reconnue en tant que sœur. Et après avoir écrit ce livre qui va être publié, a changé d'idée et a voulu être reconnue dans le livre que je viens d'écrire, pas non plus comme avec le mauvaise habitude, mais parce que cela avait permis une évolution. Donc, moi, j'ai raconté, j'ai collecté toute une série de voix de femmes qui ont lutté pour un changement et qui ont été considérées en tant qu'insignifiantes. Et pendant beaucoup d'années, j'ai collecté toute une série d'histoires de sœurs noires tout en ayant de références orales. Cela m'a permis de collecter aussi de documents sur l'histoire du racisme aux États-Unis. Et alors que m'adresser à des sources inconnues, j'ai réussi à faire beaucoup d'interviewer beaucoup de sœurs et cela m'a permis de raconter clairement l'histoire aux États-Unis. Donc, j'ai voulu le raconter avec honnêteté et maintenant, j'ai une grande connaissance à propos du colonialisme. J'ai voulu aborder ces sujets dans ces livres, mais aussi des abusateurs, femmes et hommes. Tout en racontant ces histoires dans mon livre, j'arrive à trouver beaucoup d'éléments de cette histoire des luttes des Noirs par rapport aux Blancs, qui n'impliquent pas seulement une lutte, mais des tentatives de collaboration et cela m'a permis de raisonner même en tant sur mon rôle d'historien. Raconter des histoires qui n'ont jamais été racontées et cela m'a permis d'avoir un nouveau point de début et avant ça, des façons. On a
nous nous sommes toujours focalisés sur la marginalisation, sur l'histoire de sœurs catholiques noires. On n'a jamais réfléchi sur ce point-ci. Et maintenant, grâce à ces livres, on a compris combien la lutte des sœurs noires a joué un rôle très important. Une enquête historique a été conduite aux États-Unis, surtout au sud et au nord, mais aussi au nord, une histoire qui permet de mener une enquête importante. En 1900, quelque chose s'est avéré. De plus en plus de femmes ont eu l'opportunité de se dédier à la vie consacrée. Cela a été un miracle. On devrait le définir un miracle parce que cela a permis de donner une nouvelle vision parmi ces 8 congrégations aux États-Unis. Beaucoup se sont dédiés à l'éducation. Maintenant, nous savons que le premier sœur noir qui s'est dédié à l'éducation aux États-Unis était actif en 1800. Mais on ne faut pas penser seulement aux sœurs noires qui cherchaient à rentrer dans les congrégations. Une des premières sœurs qui a lutté pour le dialogue interreligieux, mais surtout pour les femmes noires dans la congrégation, a été Sainte Rose Philippine Duchesne, qui a travaillé pour la société Sacré-Cœur. Elle a été fondatrice. Elle a toujours voulu une ouverture dans la vie religieuse. Et elle a contribué avec sa formation à la société du Sacré-Cœur. Elle disait que seulement la participation de femmes nous permet de mener une éducation pour le CER, de les impliquer dans notre travail. Mais une partie de ce travail a été grâce à l'évêque Louis William Valentin de Bourg, qui a travaillé avec cette CER dont je viens de parler, pas seulement pour considérer l'hérédité partiale, mais pour admettre aussi la nécessité d'une profession subalterne avec d'habitudes différentes par rapport aux sœurs converties, parce que le sœur noir était reconnu en tant que, avec un niveau inférieur, donc il fallait lutter déjà pour l'égalité. Donc la société du Sacré-Cœur a travaillé beaucoup pour l'égalité et en 1819, elle a écrit « Ne faire pas l'erreur de mélanger les noirs avec le blanc. Personne ne va rentrer dans ta congrégation si vous allez recevoir de novices noirs. Nous allons voir après ce que l'on peut faire pour eux dans ces cas-ci. » Elle n'avait pas donné la possibilité aux femmes qui ont été victimes d'assévérissement de pouvoir rentrer dans ces congrégations, ni avait été permis l'entrée des enfants qui étaient la plupart des fois abusés, victimes d'abus. Il n'y avait pas de membres noirs dans la congrégation. Une histoire de succès aux États-Unis est la formation de Sœur de Dieu grâce à Mère Mary, qui a inspiré le premier congrégation ecclésiastique de sœurs noires. Grâce à des ministères, elles ont pu former ces sœurs et elles se sont concentrées sur les réfugiés qui venaient aux États-Unis pendant la révolution qui venait de se dérouler. Et ce que l'on sait est que pendant beaucoup d'années, il n'y avait que de supérieurs prêtres qui ne connaissaient les femmes
un entre eux a écrit que pendant plus de 10 années, il a voulu se dédier au Dieu tout en tendant que Dieu aurait lui montré la route pour se dédier avec ce frère. Voilà ce que nous avons vu dans notre communauté et tous les actes qu'on a collectés dans toutes les autres communautés nous montrent une procédure dans le diocèse qui, au contraire, était menée dans les autres communautés, mais qui n'aidait pas les femmes noires. Il y a aussi des documents qui montrent l'opposition dans l'Église pour l'introduction de sœurs noires ici. Les supérieurs, encore une fois, disent « Je savais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient approuvé l'idée d'une école pour des enfants qui n'avaient pas admis pour l'éducation dans une maison religieuse, mais je ne peux pas penser de voir ces femmes noires s'habiller avec un vêtement religieux, même s'il y avait des oppositions très claires, définies, qu'on a dû affronter. Il y a eu aussi des histoires, des succès, même dans l'Église noire, grâce aux communautés américaines qui ont nié le racisme et ont nié la possibilité que des enfants pouvaient devenir des esclaves. Voilà, et cela a été possible grâce aux luttes contre l'assévérissement. Et par exemple, ces sœurs ont nié cette forme de discrimination et ont permis ont admis beaucoup de sœurs noires. Elles faisaient beaucoup de missions pour protéger ces femmes. Il y a beaucoup de documents, beaucoup d'historiens affirment, tout en cherchant de s'excuser, d'excuser la discrimination. Oui, il y a eu beaucoup d'esclaves, mais il s'agissait d'une situation temporaire. Toutefois, quand nous racontons ces histoires, il faut se rappeler qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont battues contre les ségrégations. Il ne s'agissait pas de communautés isolées basées sur l'esclavage. Pour cette raison-ci, elles ont travaillé pour leur communauté engagée pour refuser l'assévérissement. Mais aussi pour ceux qui pensaient à l'assévérissement comme un mal. Encore une fois, une autre communauté noire aux États-Unis a été fondée par Harriet DeLille, une autre afro-américaine qui devrait être canonisée, mais qui toutefois tout au long de ces années de travail, elle s'est battue pour les femmes noires et la lutte dans la communauté religieuse de la Louisiane où les sœurs noires n'étaient pas admises. Nous savons que pendant le premier jour de l'histoire des noirs et blancs aux États-Unis, peu de sœurs ont pu participer, juste une sœur noire qui venait de Boston et les autres de la Louisiane. Les autres étaient français, allemands, espagnols, mais juste certains venaient de la Louisiane. Et cela signifiait qu'ils pouvaient jouir de positions et de positions élevées. D'autres rentraient au couvent pour se protéger et elles se sont dédiées à la vie religieuse, même pour se protéger de manifestations raciales. Il y a d'autres documents, par exemple, où l'état de la Louisiane est mentionné, les femmes ne pouvaient pas participer à
au comité. Il s'agissait des moments très compliqués. Il y avait beaucoup d'ennemis. Elle était poursuivie par par Saint-Joseph. Ils ont déménagé en Louisiane pour se réfugier, mais pour ce qui sont les habitudes, pendant beaucoup d'années, elles ont dû se dédier à ces sujets. La raison est que le CER, une partie des communautés religieuses, ont trouver protection dans leurs vêtements religieux parce qu'elle croyait que la famille religieuse devait ressembler à sa famille, à leur famille naturelle. Donc, elle voulait s'assurer que toutes les sœurs n'étaient pas reconnues comme être inférieures dans la diocèse. Donc, elles ont été en mesure de survivre. La troisième communauté est celle de sœurs fondée par Mary Theodore. En réponse à une loi introduite par la Géorgie qui empêchait aux enfants noirs et permettait juste aux enfants blancs d'aller à l'école, de se dédier au développement de l'apprentissage. Pour cette raison-ci, pour intégrer les enfants en Géorgie, ils ont décidé d'ouvrir de nouvelles communautés. Tout au long des années, ils ont essayé de donner accès à l'éducation aux enfants noirs, même à Savannah, comme vous pouvez voir. Mais toutefois, ces sœurs ont dû faire face aux menaces, violations, même dans les villes. La dernière dont je vais vous parler, c'est les Magdalènes. Il s'agit d'une communauté noire liée aux Sœurs du Bon Pasteur. En 1922, elle dédiait une vocation contemporaine. Elles se sont dédiées au travail, au boulot, au travail avec les enfants dans ces communautés. Elle accueillit pas seulement de femmes noires, mais aussi de femmes portoricaines, de n'importe quelle ethnie. Et cela a permis de créer une congrégation de vocation internationale et de grand spectre. Cela a permis à la congrégation de survivre la lutte pour déségréger la vie religieuse féminine. A commencé à débuter avec l'activité de Mary Therese Maxschmin. On a beaucoup d'exemples de femmes aux États-Unis qui sont entrées dans des communautés blanches pour chercher à lutter contre le racisme. Nous savons que la fondatrice Maxschmin était une femme qui avait deux parents noirs. Et quand elle est morte, nous avons su que son contribution avait été d'extrême valeur et personne dans l'histoire du racisme ne s'est jamais excusé pour toutes les violations qu'elle a dû subir pendant le 19e siècle. On peut voir beaucoup de sœurs qui ont travaillé, par exemple, le sœur de la charité de New York avec un background mix qui leur a permis de se dédier à la déségrégation. Et cela a permis aux congrégations de préserver beaucoup de documents, articles qui peuvent encore être visionnés. Mais toutefois, en Géorgie, par exemple, dans le CER franciscain de l'Immacolata Concezione de Rome, une sœur noire a pu rentrer quand elle était presque à mourir.
Elle a été enterrée à Rome. Un autre exemple a été une autre sœur. Our religious life in the United States. Again, Black women who were racially ambiguous could go into white communities, but sometimes they were caught. Notre exemple d'un cas au sein de certaines congrégations. Des sœurs qui ont été bloquées, mais on sait qu'elles ont pu coopérer, même si elles étaient actives, par exemple, au sein des sœurs de la miséricorde, qu'ici on peut voir. Elles ont travaillé en Alabama, Washington, et cela leur a permis de travailler même avec des communautés noires. Et cette sœur est rentrée dans les sœurs de la visitation en 1930, où elle est restée jusqu'à sa mort. Encore une fois, même si nombre de femmes noires ont eu la possibilité de rentrer dans une communauté religieuse, tant de femmes blanches ont essayé d'avoir cette possibilité, même si cette possibilité n'y est. Par exemple, sœur Mary Alice Chenoweth a été niée à rentrer dans la congrégation des sœurs de la Charité de la Vierge Marie. Et c'est la condition d'autant de sœurs noires qui se sont vues nier leur accès. Elles ont été formées comme sœurs blanches, mais par la suite, elles étaient exclues de ces congrégations. Et par la suite, elles devaient se considérer chanceuses de pouvoir continuer cette formation. Mais nombre d'entre elles étaient bloquées de la perte de vocation. Donc, encore une fois, une histoire de famille noire qui sont restées éloignées de faits divers. C'était le cas de la famille Burke, une famille ayant 5 filles qui a lutté contre les politiques racistes. Aussi au sein de l'Église de Baltimore, on a pu voir des exemples de lutte contre la discrimination raciste au sein des différentes communautés. Ensuite, on a la famille Thomas qui comptait 3 religieuses à se consacrer à la vie religieuse. Encore une sœur jeune a pu rentrer en suivant cet exemple. Le nombre de ces personnes peut vraiment dire d'avoir écrit l'histoire de l'Église. Ce sont les descendants de nombre d'esclaves, des personnes asservies dans l'histoire américaine. Toutefois, on retrouve aussi des exemples de personnes qui descendaient de personnes qui étaient des propriétaires de terres. La lutte qui a séparé les différentes communautés était liée au fait que autant de communautés religieuses refusaient les religieuses noires. Mais il y a eu un changement de cap qui a commencé en 1944-46. C'est par exemple dans le couvent dominicain du Maryland qui refusait de faire entrer deux grandes religieuses de couleur et qui, en fait, était à la recherche de communautés ouvertes à tout le monde qui puissent les accueillir. D'autres communautés ont commencé par la suite à s'ouvrir. Mais c'était difficile pour certains de s'ouvrir à un dialogue non seulement interreligieux, mais aussi interracial. C'était un processus très délicat de souffrance, d'exclusion. Par exemple, la première religieuse noire de cette congrégation que vous voyez en photo était admise juste après des années de lutte pour ses droits. Elles ne pouvaient pas avoir de communication avec les religieuses blanches et donc elles étaient forcées à un état de ségrégation, même dans la confession, même au moment d'entrer dans les ordres. Elles devaient être ségrégées, éloignées, chacune dans sa zone écartée. Et c'est justement documenté par nombre d'archives religieuses. Donc, on devrait véritablement connaître à quel point ces blessures, ces souffrances sont profondes, les souffrances que les sœurs et les religieuses noires ont dû souffrir. Toutefois, on doit aussi réfléchir sur les maires générales et provinciales qui se sont battues pour avoir des politiques plus justes.
si l'on considère certains documents que l'on peut retrouver ici, on va voir que la maire provinciale de la province de Chicago affirmer d'avoir le problème de devoir accepter, être forcée d'accepter des religieuses noires qui postulaient. De toute façon, elle comprenait qu'un prêtre est en train de postuler pour deux filles de couleur afin qu'elles puissent rentrer dans le noviciat. Un problème qui avait été discuté, débattu au sein du Conseil, mais aucune décision ne fut prise. Nous savons que la communauté afro-américaine, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ont été forcées de faire des pressions afin de pouvoir accepter des vocations même de la part de femmes noires. Ici, nous pouvons voir une communication de la part du pasteur de Harlem. Et donc, on demandait des vocations pour des congrégations qui étaient restées vides, dépourvues. Par exemple, dans une paroisse que je connais, il y a un nombre de documents dans ce sens. On pourrait voir plusieurs fois des réponses négatives. Non, 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 il n'y a pas de possibilité d'avoir d'accepter quelqu'un de noir. Et ici, vous voyez une lettre adressée au Vatican qui parlait des problèmes liés aux filles de couleur pour leur insertion dans la communauté. Ou encore, on peut remarquer les problèmes de mère provinciale dans l'acceptation de ces filles. Le problème est lié au fait que le nombre d'étudiants de couleur auxquels nous apprenons est trop élevé dans nos écoles. Même si la formation d'enfants des couleurs devrait différer de la formation de certains sujets, et ils pourraient souffrir d'un novice séparé, d'une formation séparée. Et donc, de là, on comprend que les sœurs ne doivent pas accepter des personnes de couleur. Cela prouve les difficultés par lesquelles ces filles ont dû faire face. Et même si nombre de religieuses afro-américaines ont beaucoup fait, il y a encore beaucoup de travail sur la planche. Ce serait intéressant de voir comment ces documents correspondent d'une manière ou d'une autre dans les différentes communautés. Les filles n'étaient pas acceptées. Et donc, s'il y avait eu des sœurs, des religieuses blanches, aucun problème ne serait vérifié. Mais accueillir des religieuses noires aurait été déqualifiant pour certaines communautés. Même pour les sœurs de la miséricorde, on retrouve un exemple d'une religieuse de couleur qui, enfin, arriva à rentrer dans une communauté. Je vais aller un peu plus vite. Par la suite, on va pouvoir y revenir pour des possibles questions. C'est juste grâce à la formation, à la conférence des sœurs noires aux États-Unis, que l'on a pu travailler de façon systématique pour l'accueil des sœurs de couleur à l'intérieur de l'Église par une formation consacrée. Des contreparties blanches. C'était au moment de la formation de ce comité en 1968 que la vie religieuse s'est réunie de façon institutionnelle, a commencé à raconter ses histoires de ce qu'ils avaient vécu et de comment leurs droits avaient été atteints. Et c'était à partir de ce moment-là que l'on a pu récolter ces documents, ces témoignages, c'est important, des sœurs religieuses qui documentaient les histoires de racisme au sein de la vie religieuse des États-Unis. Mais on a aussi vu une augmentation du nombre des femmes religieuses noires qui s'unissaient à la vie religieuse. Pour conclure, lorsque je demande aux sœurs noires, quel est leur héritage, leur patrimoine à l'intérieur de l'Église, elles hésitent à comprendre et à répondre. Parfois, elles parlent juste du remerciement, de la gratitude des communautés noires. Une religieuse en particulier, une mère supérieure générale à New York, elle dit souvent que l'Église catholique ne serait pas catholique si ce n'était pas pour nous. Leur héritage et la confiance, la fidélité, l'engagement pour avoir été à côté des communautés blanches et dans le témoignage de la confiance des religieuses noires à nos côtés. C'est pour cela que j'ai voulu concentrer mon travail sur cet aspect pour parler de la ségrégation du racisme au sein de l'Église catholique. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez déjà feuilleter mon livre. Vous pouvez
réfléchir sur ses contributions historiques. Merci. Grazie mille, dottoressa. Merci infiniment. Professeur Williams, félicitations pour votre travail si vaste et si détaillé, pour nous avoir apporté l'exemple de tant de femmes noires que l'on peut affirmer ont fait l'histoire de leur communauté de la vie religieuse. Dopo la dottoressa De Williams, vorrei... Après le professeur Williams, je souhaite accueillir toutes les personnes qui viennent d'arriver, donc à vous la bienvenue et donner la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook où nous sommes en direct. Merci de participer avec autant d'intérêt à nos sessions. Maintenant, je vais passer la parole à notre troisième intervenante d'aujourd'hui, sœur Maria Suya Pacheco Alvarez, qui est membre de la pastorale afro-Amérique latine. Elle est considérée l'une des voix les plus importantes de cette communauté à l'intérieur de sa région, donc l'Amérique latine. Dans certaines de ses interviews, elle porte plainte pour le fait que l'Église exclue et marginalise cette communauté. Et lors de la première assemblée ecclésiale de l'Amérique latine et des Caraïbes, elle a affirmé que pour les peuples afro-latino-américains, l'Église catholique n'est pas vraiment une mère, mais une maîtresse qui essaye de s'imposer de l'extérieur sans respecter leur culture. Aujourd'hui, elle va nous apporter son point de vue, sa perspective et la perspective de la communauté noire en Amérique latine. À vous la parole. Muchas gracias. Por esta oportunidad de compartir con usted. Merci infiniment, merci tout le monde de m'avoir donné cette opportunité d'être ici aujourd'hui. Ma réflexion a le titre « Sur la base du racisme dans la vie religieuse ». Lorsque j'étais gamine dans mon village, des missionnaires espagnols de la communauté des filles de la charité arrivèrent à un moment donné. C'était pour moi un moment très important. Je fus étonnée par leur capacité d'accueil, le risque qu'elles prenaient tous les jours pour leur mission. Lors de mon processus de croissance et d'évolution, même si je n'avais pas de relation étroite avec elles, j'appréciais profondément leur approche, leur esprit maternel, leur passion, quelque chose qui me rappelait, qui me faisait souvenir de mes grands-parents. Il s'agissait d'une approche universelle qui enlaçait tout le monde, sans tenir compte des différences. Lorsque j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'accompagnatrice des paysans pour les aider dans leurs activités au quotidien, en tant qu'enseignante, j'ai eu un véritable moment de révélation. En effet, il y avait vraiment beaucoup de moments de difficulté, de discrimination, et les personnes démunies du village. Je voyais qu'ils avaient un problème avec le racisme. Tout cela m'a fait comprendre jusqu'au bout l'importance de l'amour du salut de Dieu. Il y a une phrase que j'ai repérée dans une écriture de Saint Vincent qui dit « Est-ce que tu aimerais être la voix de ceux qui n'ont pas de voix ?» Pour moi, c'était très important. Ce sont toutes des phrases, des expressions que l'on peut retrouver dans l'Évangile qui font référence à ces thèmes. Des expressions qui nous aident à comprendre l'importance de la mission d'évangélisation. Lorsque je travaillais comme enseignante à l'âge de 22 ans, j'ai pris la décision d'abandonner ma mission d'enseignante pour arriver à aider la société dans une façon différente. Je souhaitais véritablement essayer de donner
un soutien, une contribution différente. C'est très important de réfléchir sur les propos de Amador Sigui, un séminariste qui nous dit que l'Église catholique a toujours protégé, défendu la verticalité des relations de pouvoir. Ce sont tous des présupposés. Désolée, nous avons un petit souci technique car je sais que la traduction en anglais et en allemand, on ne peut pas l'entendre. Donc, on vous demande de patienter juste un instant car on est en train de régler ce problème. Je suis navrée de vous avoir interrompu. Et lorsque tu parles, ta voix est complètement couverte par nous. Oui, nous avons entendu. Et j'attends juste que la technique me dise de pouvoir continuer. Est-ce que je peux continuer maintenant? Parfait. Réellement, mi experiencia de los primeros años en cuanto dans mon expérience de premières années, était véritablement forte. C'était très important. La personne qui accompagnait mon parcours m'obligeait à faire exactement ce qu'elle voulait que je fasse. Elle sentait lorsque je m'approchais aux thématiques de digestion et je ne pouvais pas passer trop de temps dans la chapelle car pour moi, c'était plus important d'avoir la relation avec la nature. Je suis désolée à nouveau. Est-ce que je peux vous demander de vous éloigner un peu du micro? On va essayer de régler de cette façon le problème. Je suis désolée. Je sais qu'en anglais, la traduction n'est pas très audible. Je m'excuse pour cela. Je suis vraiment navrée. On va essayer de régler le problème. En tout cas, merci tout le monde de votre patience. Prego. Bien. Puedo continuar? Est-ce que je peux continuer? Oui, bien sûr, allez-y. Pour moi, ce refus, ce rejet que je pouvais sentir dans la communauté, cette sensation d'être complètement ignorée par des phrases comme « les nègres » ne sont pas utiles, eh bien, c'est une expérience vraiment très forte qui m'a blessée. Dans d'autres communautés, j'ai vécu des expériences très compliquées. À un moment donné, j'ai décidé de changer de communauté, de choisir la communauté d'une copine à moi, une communauté qui était très affectueuse à mon égard. Et même là, il faisait des blagues avec les légumes secs et donc je ne me sentais pas à l'aise. Moi, j'étais associée à des haricots noirs. Donc, c'était une véritable humiliation pour moi. Comme Jean-Paul II le dit, pour sortir de la blasphémie et du racisme, il est important de commencer à purifier notre regard car la nourriture, l'encouragement des pensées racistes est un véritable péché et doit être considéré en tant que tel. Il est important de réfléchir aussi sur d'autres nuances sombres du racisme dans le monde religieux. D'après mon expérience en tant que novice, j'ai fait l'expérience d'humiliation, de répression, d'actes de racisme, de répression. J'ai été excluse des lectures. Et très souvent, j'ai été mise à l'écart pour des tâches d'humiliation par rapport à mes sœurs, consœurs blanches. Les daba las quejas. Y a los pocos meses multiplicaron pour moi, las flores, las rosas, y de ahí cortaba. Il y avait des roses dans le jardin qui étaient un symbole très fort. Je caressais ces roses, je les sentais, je les arrosais. Et par la suite, je les prenais pour les apporter en hommage à la Vierge Marie. Ces roses, pour moi, ont eu un rôle important
de mon expérience de religieuse. Je me rappelle aussi d'un épisode où je devais accompagner une sœur religieuse. J'avais déjà préparé ma valise, j'étais prête pour partir. Mais à la fin, j'ai entendu des commentaires et c'est cette nègre-là qui va l'accompagner. Eh bien, c'était des expériences de refus, de rejet, de manque de confiance. J'y suis allée quand même, je suis partie quand même. Et dans nombre de fois, j'ai dû rester dans le silence. Il y avait des occasions où je me sentais mal à l'aise, où j'étais appelée la nègre. Les personnes me disaient que je pouvais manger du chocolat, car c'était ma couleur de toute façon. Après ce type d'expérience, j'ai aussi des problèmes au niveau physique. Lorsque j'accompagnais cette religieuse, cette consoeur, j'ai été hospitalisée. Et j'ai entendu des commentaires qui disaient que j'avais des problèmes de santé et que je n'étais pas utile pour les pauvres. Dieu, par contre, est le Seigneur de la vocation. C'est lui qui décide. Et l'Église essaye de changer la mentalité raciste même au sein des communautés mêmes. Et malgré le fait que l'on peut reconnaître les limites des péchés, et c'est quelque chose que Jean-Paul II affirme par une phrase puissante, moi, je vais vous dire une chose importante. Oui, bien sûr, il y a des témoignages racistes, des attitudes racistes, même de la part des prêtres. Ce sont des épisodes, des expériences fortes, même à l'égard d'enfants. Une fois, je me rappelle d'un enfant, un gamin, qui était discriminé car il était noir. Et cela est arrivé au sein de l'Église. Le prêtre n'a pas pu intervenir. C'est important de rappeler que les prêtres, avec une attitude colonialiste qui accuse les religieuses qui viennent juste parce qu'elles dansent en face de la mer, eh ben, cette accusation est également une attitude raciste. Il est important de rappeler que moi-même, j'ai entendu des prêtres, des missionnaires défendre les crises et les questions racistes. Mais en même temps, je les ai vus travailler même pour les droits des Afro-Américains. Un ancien séminariste africain qui a été aussi éducateur, et pour moi c'était un formateur, il m'a dit qu'il était convaincu de ne pas pouvoir devenir un prêtre car autant de fois, quelqu'un lui avait dit que les nègres ne peuvent pas être prêtres, que les personnes de couleur ne peuvent pas devenir des prêtres. Et souvent, les discriminations raciales se voient aussi dans la vie au quotidien des personnes religieuses. Très souvent, les prêtres noirs étaient éloignés, séparés des collègues blancs dans des logements de fortune. Et donc, il y a une véritable fracture dans ce monde. Ce sont des épisodes qui m'ont été racontés par ce prêtre afro-américain qui, pour moi, était un véritable guide. Ce prêtre m'a expliqué que tous ces épisodes l'ont mené à se retirer de la vie religieuse. J'aimerais aussi parler d'un autre épisode. Une fois, j'étais assignée à une école
No quiero africanas en mi escuela. Où la sœur directrice du centre avait affirmé haute voix, je ne veux pas de personnes de couleur ici, dans cette enceinte. Ben, j'ai eu vraiment la sensation d'avoir été humiliée. Et nombre de fois, je suis restée sans manger, les ventres vides. Mais j'ai décidé de résister. J'ai résisté pendant 6 ans. Je me rappelle aussi à notre épisode, une consoeur m'avait dit que mes vêtements n'étaient pas appropriés. J'avais reporté à mes supérieurs car c'était quelque chose de véritablement discriminatoire. Mais personne n'a rien fait. Une autre fois, quelqu'un m'a dit que la personne chargée de la communauté a nié la possibilité de partir en voyage à une religieuse noire à cause d'un deuil juste parce qu'elle était de couleur. Je suis convaincue qu'il y a encore du racisme au sein de l'Église. Parfois, c'est plus visible, d'autres fois, moins visible, mais on peut le retrouver encore au sein des églises, des congrégations. Parfois, camouflé, parfois, c'est déclaré et explicite, évident. Cette discrimination est là, présente, dehors. Même de racisme institutionnel. Pensez aux descendants de communautés latines, afro-américaines. Pensez par exemple au Brésil, un pays où la moitié de la population descend de la communauté afro. Il y a 200 prêtres de l'Église catholique, mais juste 40, ce sont des Noirs. Comment peut-on l'expliquer? C'est un clair label raciste. Je me rappelle un jeune, un ancien séminariste qui reportait les blagues qui lui étaient adressées juste parce qu'il était noir. Parfois, il subissait des discriminations à cause de la couleur de sa peau. Il était discriminé des mêmes prêtres qui justifiaient ces blagues racistes comme des simples blagues. Mais ce n'était pas des simples blagues. Cette attitude raciste basée sur une discrimination de la couleur de la peau, mais aussi basée sur d'autres caractéristiques physiques, existe toujours. Parfois, il y a des personnes qui sont laissées de côté, qui sont marginalisées, stigmatisées. Ce sont des attitudes qui correspondent à des attaques à la vie. Ce sont des péchés qui amènent à la mort. Et si cela se vérifie dans notre Église, au sein de nos organisations, de nos communautés, dans nos paroisses et nos institutions, alors on est en train de détruire la vie et le rêve de Dieu pour l'humanité. Je souhaite conclure avec une suggestion, en disant encore une fois quelles sont les conséquences de tout cela. Toutes ces actions racistes ont des conséquences sur la santé émotionnelle, physique, psychologique des personnes. Il y a des répercussions au niveau de l'estime. On a l'impression de ne pas être écouté. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, je souhaite lancer un appel. Vous devez agir. La situation dans l'Église est une situation qui connaît encore un fort racisme à l'égard de la culture afro-américaine. Parfois, des actes qui sont menés par des religieux, des personnes qui fréquentent la paroisse. Nous demandons donc au pape d'essayer de parler pour nous,
pour nous protéger. Et il est important que les Afro-Américains soient écoutés. Je souhaite remercier de tout cœur, en tant que membre d'église et d'une congrégation religieuse, je souhaite vous remercier de tout cœur pour votre ouverture, pour votre écoute, pour votre aimable attention. Mais en même temps, je dois dire qu'il existe une relation coloniale et raciste au sein de l'église. Cela contre, à l'égard des peuples latins, à l'égard des peuples afro-américains. Il y a plusieurs manifestations au sein de la communauté religieuse. À l'égard des candidats, des novices, des membres de la communauté qui ont des origines de ce type, des sœurs, des frères. Il faut que l'on change nos racines. Il faut changer les racines de cette attitude, de ce comportement qui s'oppose à l'Évangile. Merci de votre invitation à nouveau. Merci de tout cœur. Et désolé si je me suis interrompue parfois. Je comprends que ma connexion n'était pas si stable que ça. Merci. Ci scusiamo insomma per i problemi tecnici che abbiamo avuto, sicuramente recupereremo la traduzione, ve la posteremo sul nostro sito web e sul nostro canale YouTube, dove potete trovare tutte le registrazioni precedenti dei nostri eventi. Quindi grazie mille, Suor Maria, di nuovo per averci accettato. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et pour votre témoignage. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à la dernière relatrice d'aujourd'hui qui est suivant notre hôte, qui a beaucoup de fois collaboré avec nous, Sœur Numumbi Kikuta, qui est une théologue, écrivaine et qui organise Pan-African Catholic Network et qui est aujourd'hui avec nous pour son expérience en tant que représentant de la communauté noire. Thank you. Merci. Je salue tout le monde. Merci, William. C'est vraiment merveilleux de pouvoir partager avec vous vos expériences pour la lutte contre le racisme. Le racisme est une réalité qui touche surtout les femmes noires dans l'Église. Moi, j'ai eu expérience dans ce sens. J'ai vécu dans un contexte composé par la plupart de blancs dont je peux témoigner cette réalité systématique. Les défis que les femmes afro-américaines doivent affronter ne sont pas finis. Au moins, dans le dernier siècle, il y a beaucoup de Noirs qui cherchent à rentrer dans la vie religieuse et rencontrent beaucoup d'obstacles. Même les mouvements migratoires ont changé la composition de ces groupes qui cherchent à rentrer dans la vie religieuse. Il y a des congrégations qui ont été disponibles d'accueillir de femmes noires, d'autres non. Je vais commencer par le dernier. On ne pourrait jamais imaginer aujourd'hui d'avoir de politique dans les congrégations qui empêchent femmes noires de rentrer dans la vie religieuse. Par exemple, beaucoup de congrégations parfois empêche l'accès aux femmes noires. Nous savons que les politiques approuvées pour lutter contre le racisme très souvent n'ont pas été efficaces aux États-Unis où je suis.
le pacte, le permis de résidence n'est pas garanti à tous, pour ne pas mentionner l'État qui les migrants doivent payer pour rentrer dans les pays. Ils m'ont dit qu'il faut accepter ou refuser un candidat pour des raisons qui sont au-delà de son origine. Et pour cette raison-ci, il y a eu beaucoup de sœurs qui se sont battues. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de sœurs et dans leur couvent, parce que souvent, même eux ont été témoins de ces situations concernant de pratiques raciales. Il n'y a jamais une certitude concernant le comportement des autres. Il faut penser que les intentions de personnes sont bonnes et qu'il y a une division derrière l'acceptation ou le refus dans une congrégation. Moi, je fais partie d'une minorité de personnes noires qui ont cherché à rentrer dans une congrégation. Mais comme moi, il y en a d'autres, même nous, qu'on a été capables de rentrer dans une congrégation, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles, barrières qui étaient basées sur le racisme, sur la discrimination. Parfois, nous sommes au niveau des attentes des supérieurs nous sont encouragés à taire parce qu'on ne fait pas partie de la culture dominante. On ne doit pas être invisible, mais nous avons une vocation qui très souvent est mise en discussion à cause de notre racine, origine. Les congrégations sont en train de choisir de fermer plutôt que à mettre d'autres membres qui ont d'origine comme le mien. Même les mouvements féminine n'a pas été en mesure d'atteindre des objectifs. Mais pourquoi j'ai dit ça? On voit que comme beaucoup de congrégations occidentales se sont réformées après les conciles Vatican II, qui permet aux sœurs de poursuivre des carrières, de recevoir une formation de haut niveau. Ce style de vie permet aux femmes, aux sœurs blancs de faire carrière, d'avancer, d'étudier. Mais il s'agit de la même Église qui est demandée d'aller en Afrique, en Amérique latine, mais les traitements de femmes d'autres pays est différent. Il y a beaucoup de femmes qui font partie de minorités qui demandent de rentrer dans des organisations occidentales, et la réponse parfois est toujours la même. Elles rentrent, mais après, nous avons d'exemples blancs qui, après, elles s'enfuient après avoir reçu l'éducation. Donc, beaucoup ont été les femmes, les sœurs qui ont quitté les congrégations après les conciles Vatican II. Donc, il faut faire une introspection profonde quand une sœur décide de quitter une congrégation. Il faut voir quels sont les comportements adoptés, s'il y a été des comportements liés à l'abus de ces sœurs-là, à l'égard de ces sœurs-là, qui après ont décidé de quitter la congrégation. Toutes les sœurs devraient être considérées également, même si les différences avec les sud du monde sont évidentes.
On a entendu beaucoup d'histoires, expériences de sœurs faisant partie de venant de l'Afrique, de l'Amérique latine, qui ont été refusées ou à, pour ceux qui sont les questions de leadership, la leadership qui n'est pas donnée aux sœurs, accordée aux sœurs noires. Des congrégations internationales continuent à importer des sœurs de l'Afrique, de l'Amérique latine pour travailler et se prendre soin, garder le sœurs le plus âgé parce qu'elles ne peuvent pas recouvrir d'autres emplois. Je parle de l'Afrique pour recruter de sœurs, de les familles, leur permet de partir tout en pensant qu'elles peuvent avoir de vie meilleure et on leur demande de voyager, de s'unir à de communautés dont elles ne connaissent pas dans un autre pays étranger. Il s'agit d'une forme de discrimination. Parfois, je pense qu'il s'agit de quelque chose comme ça, parce que parfois, elles ne peuvent pas communiquer avec leur famille, elles ne sont pas consultées pour les plans futurs, pour la communauté religieuse. Certaines de ces femmes sont traitées de façon incorrecte, elles ne sont pas pardonnées, elles ne sont pas considérées. En dernier, je voudrais dire que le racisme existe dans tout le monde, même dans les communautés religieuses. Et malheureusement, il s'agit d'une partie de le reste de notre histoire. Toutefois, dans les cas des expériences qu'on a entendues, parce que toutes les villes et les pays qui ont expérimenté le racisme, les personnes qui n'auraient jamais eu le même comportement dans d'autres parties du monde, a fait en sorte qu'il y avait une exclusion de ces personnes-ci. Donc, cela signifie que le racisme est affronté par beaucoup de femmes, même dans les cercles religieux. Et cela fait en sorte que nous devons reconnaître qu'il y a une préférence, un préjugé à l'égard de personnes noires et on privilège les blancs. Et c'est là, on peut le voir dans beaucoup de différents contextes. Il y a beaucoup de personnes qui sont recrutées, choisies dans le monde occidental, alors qu'il y a d'autres congrégations qui n'acceptent pas vocation. Par deux personnes qui ne sont pas blancs. Et cela, c'est un comportement qui continue, se répète dans l'histoire. Merci. Thank you so much, Sister Mumbi. And thank you. Merci, Sœur Mumbi. Merci à tous nos oratrices. J'ai l'impression que de répéter chaque fois, à chaque rencontre, la même chose. Mais merci beaucoup pour vos témoignages parfois choquants, mais toujours très importants. Quand nous avons planifié cet événement, ces rencontres, on pensait de montrer l'histoire du racisme, on voulait montrer et partager le fait que maintenant, c'est clair que le racisme est un mal, détruit la vie de l'Église et on a pensé, bon, on va montrer l'histoire du racisme pour montrer qu'aujourd'hui, il y a deux formes de discrimination différentes. Mais grâce à vous pour avoir partagé votre histoire, vos expériences,
Mais malgré, il ne s'agit pas en le la pouvoir du passé. Je vous remercie pour avoir nous montré combien est encore présent le racisme dans vos vies, dans votre vie, dans votre expérience, et combien de faces, de visages peut avoir le racisme, même dans la tête d'un loup. Des commentaires sur les contextes indiens, un problème très présent. On a vu, on a entendu de la partie de Sir Hazel les préjugés qu'il y a, la différence, la distance qu'il y a entre Rome et les banlieues, Rome et le reste du monde. Merci, Sœur Mary, pour nous avoir parlé du contexte de l'Amérique latine. Et Madame Shannon Williams, vous avez nous dit qu'en 1968, des communautés aux États-Unis ont reconnu le racisme comme un péché systémique. Et je voudrais vous demander si de... Pour ce que vous en savez, l'Église est en train d'agir au niveau systématique pour mettre fin à ces problèmes, pour éliminer, éradiquer ces cancers systémiques. Pour ce que j'en sais, pour ce qui est mon expérience, j'ai fait beaucoup de présentations dans différentes communautés et tout en parcourant l'histoire du racisme, une histoire extrêmement douloureuse, discrimination basée sur la couleur de la peau. La Leadership Conference aux États-Unis a affronté, a abordé les sujets du racisme dans la vie religieuse. Et ils ont promu, ils se sont engagés à étudier comment ces phénomènes est encore diffusé dans les communautés religieuses. J'ai entendu des communautés religieuses qui ont demandé, qui se sont excusées pour les épisodes de racisme qui se sont avérés dans leur communauté. On a entendu beaucoup d'histoires de racisme, mais cela ne concerne pas tous les, la plupart des congrégations avec lesquelles j'ai travaillé. Il y a beaucoup de supérieurs aux États-Unis qui sont très engagés, impliqués, mais il y a des congrégations qui se sont excusées pour les pratiques des ségrégations, les pratiques discriminatoires. Je voudrais faire référence à l'appel de Sœur Mumbi pour développer des politiques qui puissent mettre fin à ces histoires de racisme et de discrimination dans les communautés religieuses. Il y a beaucoup de sœurs afro-américaines qui ont été exposées à beaucoup d'abus, de cas de discrimination. Cela m'a toujours choquée. Si vous allez lire mon livre, vous lirez des témoignages et des histoires. Je pense que je vais les partager, parce que j'ai eu la permission de le partager, et d'autres non, parce qu'elles ont peur de répercussions dans leur congrégation, et donc elles ont demandé de rester anonymes. Mais il y a encore des épisodes de racisme dans la vie religieuse.
et il y a encore des environnements toxiques dans l'Église. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à faire partie de la vie religieuse pour ces raisons-ci. And a white sister, distinguished theologian, told me to my face, you know, there are anthropological reasons why white sisters do not want to live with African. Quand j'ai parlé à l'université de Notre Dame aux États-Unis, j'ai entendu aussi de supérieurs qui ne voulaient pas vivre avec des personnes afro-américaines. Il y a aussi ce genre d'histoire et d'autres sens m'ont raconté ce qu'ils ont ressenti après ces histoires. Donc, je vous remercie pour avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. Merci, Madame Williams. Est-ce qu'il y a d'autres oratrices ou sœurs qui veulent partager quelque chose concernant leur activisme positif dans l'Église pour changer la situation? Please, Sister Hazel. Yes. Well, you know, I want to say that from the experiences that I've had. Sœur Hazel, à vous la parole. Je voudrais dire sur la base de mon expérience d'avoir vous. De ne pas avoir été en mesure de changer, mais j'ai été en mesure d'avoir changé moi-même parce que j'appartiens à un groupe de résistance avant de rentrer dans la leadership. Et moi, je me connaissais en tant que femme et je savais de pouvoir définir mes droits. Et la dignité que j'avais en tant que femme. Et donc, quand je suis face à des difficultés au niveau national ou même au niveau international, je cherche à utiliser les pouvoirs que j'ai pu vivre. Et cela me donne la force pour parler avec les autorités. Et que, pour dire la vérité, aux organes de pouvoir, la confiance, j'ai la confiance pour le faire. Et cela fonctionne dans beaucoup de cas parce que cela ne permet pas à ceux qui ont l'autorité de savoir la personne avec laquelle ils se relatent. Je pense que l'Église est en train d'agir, est en train de faire beaucoup pour changer les structures existantes, mais même pour s'adresser aux personnes qui ont été marginalisées dans la société. Mais encore une fois, il faut réaliser que nous avons un rôle, nous jouons un rôle et nous sommes touchés par les préjugés. Nous avons des hésitations pour se mettre en première ligne, pour mettre fin à des situations difficiles. On peut voir en Inde, on a beaucoup de difficultés en Inde de se rapprocher aux autres. On a toujours considéré, les a considérés différents, même pour le mariage, il faut organiser tout pour faire en sorte que les mariages soient de la même entre personnes de la même couleur de la peau. Donc, il s'agit d'un problème qui est à l'intérieur. Donc, il faut penser que le changement ne peut pas arriver tout de suite. Mais on peut nous efforcer pour changer. Et enfin, j'ai découvert, vous savez, quand on dit la vérité à l'autorité, cela aide le changement. Mais il est très important pour nous de travailler avec la hiérarchie parce que j'ai vu, j'ai remarqué que les pouvoirs dans les pouvoirs mènent même à l'autre. Par exemple, quand j'ai vécu de difficultés
été à cause d'une relation qui avait une position de pouvoir, on a pu partager notre pouvoir et on a entamé un bon rapport. Donc voilà des relations dont je suis en train de penser, mais notre travail avec les femmes, le partage, notre échange, la façon dans laquelle nous avons été, on a réussi à atteindre ces résultats est raison d'espoir, nous donne espoir et cela nous encourage à continuer sur ces points, même si cela demande plus de temps, parce que cela va arriver. Parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui a du signifié au niveau international. Merci, merci. Merci beaucoup, Sœur Hazel. Je me demandais si je vais vous demander, Sœur Mary, parce que vous avez parlé beaucoup de fois de ces problèmes du racisme. Je me demandais si tu as reçu de réactions face à tes déclarations. Because I don't understand too much English. Please. Should I repeat the question so you can hear the translation in Spanish? Espagnol. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question? On répète la question. Il faut choisir le canal d'interprétation tout en cliquant. Il faut taper les boutons interprétation. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Do you have your interpretation on? No. Nous avons les canaux d'interprétation est actif. Yes. Okay. Hispanic. So I was just wondering. Bon, je m'ai demandé. Je m'ai posé la question. After her speaking up about si the après avoir parlé de racisme, tu as reçu de réactions, vous avez reçu de réactions, des commentaires. Que si he sabido de alguna reacción de lo que he hablado. Después que tú has hablado, no ahorita, sino después que tú has hablado en voz alta y has hecho ver el problema, si has, okay. Has sentido que hay una reacción hacia eso. Sí, realmente he sentido que ha habido alguna reacción. Je dois avouer que j'ai reçu de réactions. Beaucoup de personnes sont mis en contact avec moi. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit qu'il est important parler de ces sujets, aborder ces sujets. Est important aider les personnes qui sont victimes de ces types de des ségrégations raciales. À présent, je n'ai pas reçu de réaction négative. Il s'agit de quelque chose de positif et est perçu comme positif. Respecte la volonté de Dieu qui nous veulent tout faire, sœur, veulent que les personnes soient dignes, les personnes veulent construire une société puisse impliquer tous. No, I go. No. No traduce. Susana, maybe you go. Okay. No, I think it's not possible, Katia, because je pense qu'il n'est pas possible parce que c'est trop compliqué au niveau technique. Merci beaucoup, Sœur Mary.
Sœur Maria était en train de dire qu'elle n'a reçu que deux réactions positives après sa déclaration publique sur le racisme, donc il s'agit d'un signal positif. Pensez-vous pensez-vous qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais demander à Sœur Mumbi pour conclure quelque chose, un commentaire ou quelque chose à partager sur la question générale. Je suis restée très touchée quand Madame William nous a raconté l'histoire de sœurs et des autres congrégations de sœurs noires qui ont été admises juste dans les congrégations de niveau plus bas. J'étais choquée pas seulement pour le poids racial, mais aussi pour le fait général qu'il y avait des catégories de sœurs. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans notre pensée chrétienne et qui nous a permis de diviser les personnes dans deux catégories ou hiérarchies? J'aimerais bien avoir la réponse sur la question, sur cette question. En fait, toutes les êtres humains sont égales et cela nous permet d'avoir de privilèges et exclure ou inclure les autres. Je ne sais pas pourquoi les Noirs ont été toujours placés sur la base, à la base de cette pyramide. Et malgré des catégories de sœurs n'ont pas été considérées, est possible de créer des stratifications sociales même s'ils ne sont pas définies. Par exemple, je sais que beaucoup de sœurs noires dans les congrégations à majorité blanche ont comme seule reconnaissance leur talent. Mais une fois, et ces reconnaissances viennent de l'extérieur, et mais elles ne sont jamais considérées pour recouvrir des rôles de jouer, des rôles de leadership. Donc, il s'agit toujours d'une lutte constante pour donner plus de poids à leur existence. Et en tant que femme noire, nous disons souvent qu'ils nous apprennent à être deux fois silencieux, deux fois durs pour recevoir les reconnaissances qu'on mérite. Et même de cette façon, la violence rentre dans notre vie. Et voilà, c'est là la source, c'est toujours le racisme. Il ne s'agit pas toujours d'éléments clairs. Les personnes vivent des préjugés et pas toujours ils sont considérés en tant que éléments de racisme. Les autres pourraient dire qu'il ne s'agit pas du racisme, qu'il s'agit juste d'un préjugé. Mais cela peut constituer un problème. On a trouvé aussi un langage pour déguiser les racismes. Parfois, on n'arrive pas à penser que je n'arrive pas à jouer ces rôles parce que c'est trop rigide ou n'est pas correct. Je vous prends l'exemple d'une amie à moi qui s'est présentée pour devenir conseillère aux élections provinciales. Elle a été éloignée parce que ils lui ont dit tu es trop jeune, tu devrais attendre des années. Donc vraiment, il s'agit de campagnes littéralement qui se déroulent continuellement. Le fait de pouvoir souvent être considéré pour ses habiletés devrait être une prérogative pour lui permettre de concourir pour ces élections. Mais parfois, deux personnes me disent « je suis très surprise de voir deux sœurs noires ». Et le fait qu'elles sont en mesure, elles peuvent conduire des écoles, est toujours analysée, mise en enquête, enquêtée, notamment aux États-Unis. Le fait de jouer un rôle important
est mal vu. Ils disent que nous voulons cette diversité. On ne sait jamais que on peut jouer ce rôle. La nature humaine crée des stratifications naturellement pour faire face à ces à des situations compliquées. Et je pense que de plus notre peau est noire, de plus nous devons jouer des rôles différents. Les femmes noires qui ont été victimes d'abus, qui ont dû expérimenter des formes de discrimination dans la vie religieuse, malgré l'augmentation dans le ministère de la technologie. Pourquoi on ne peut faire entrer des femmes avec des handicaps? On parle de femmes, de sœurs qui sont victimes des abus, des racismes, des discriminations. Merci beaucoup, Sir Mumbi. Merci à toutes les relatrices. Les oratrices, je pense que les éléments positifs qui m'ont touché dans vos présentations est le fait que, je pense, Madame Williams l'a clairement exprimé, que vous êtes les témoins de comment nous pouvons être fidèles au message chrétien. Pour le cerf dont Madame Williams nous a parlé, ces cerfs sont témoins de comment il faut rester fidèle dans ce que nous croyons, même s'il est difficile, malgré il y a beaucoup d'obstacles face à nous. Et toutefois, si nous sommes fidèles, la vie devient de plus en plus compliquée, mais la vie devient plus riche. Merci pour vos témoignages, merci pour ce que vous avez partagé, pour avoir démontré à nous comment l'histoire est importante. Et thank you also to our audience for following us. Merci aussi à notre public pour nous avoir suivis malgré de ceci technique avec le service d'interprétation. J'espère que vous allez nous suivre dans le prochain rencontre. On va nous rencontrer jeudi. Malheureusement, pour le public américain, le matin, parce qu'on va écouter des voix de Londres, de l'Australie, donc il faut nous adapter à leurs exigences. Merci.